Le premier objectif est de vaincre ces maladies parfois très rares. 81,2% de votre don sert donc à la recherche et aux essais thérapeutiques. Dans le même temps, il faut assurer les soins et l'accueil des malades et soutenir leurs familles. Cela nécessite des établissements de soins et différents services. Il faut aussi communiquer sur les avancées et les différents projets innovants et sensibiliser la population. Voilà pour ce qui concerne la plus grosse partie de votre apport. Le deuxième poste de dépense concerne les frais de collecte avec 10,5% de votre don. Les frais logistiques, le traitement des dons, des promesses constituent une part importante. Enfin, il y a le troisième poste, les fameux frais de gestion, qui s'élèvent à 8,3% de la somme. Ils seront utilisés pour financer le fonctionnement des associations et les services de gestion. La totalité de votre participation sera toujours dépensée en fonction de ces trois critères.